c'est donc l'enjeu moral qui se trouve au cœur de la richesse des nations. La logique économique de la division du travail contre le coût humain nécessaire à sa mise en œuvre. Adam Smith était-il conscient de ce dilemme? Adam Smith is very rarely read. He's worshipped, but not read. I mean, everyone who went to college learned the first paragraph of Wealth of Nations. Les améliorations les plus importantes de la productivité du travail, ainsi que l'accroissement de la dextérité, des compétences et des connaissances, semblent bien avoir été les effets de la division du travail. Adam Smith, la richesse des nations. Not very many people got to page, you know, whatever it is, page 400, in which he points out that the division of labor is monstrous. Dans les progrès apportés par la division du travail, la plupart des travailleurs se bornent à un très petit nombre d'opérations simples, dont les effets sont peut-être toujours les mêmes, ou presque les mêmes. L'ouvrier n'a alors aucune chance de développer son intelligence. Adam Smith, la richesse des nations. It turns people into creatures as stupid and ignorant as a person can possibly be. It's a person who just becomes a machine. That's a terrible attack on fundamental human rights. And therefore, he says, in any civilized society, the government is going to have to intervene to prevent division of labor. How many people get that far?